Bonjour à tous. Nous allons voir de quoi se compose un trou de golf. Donc, nous avons, pour démarrer, le départ. On a ensuite le fairway et enfin le green. Ça, ce sont les zones sur lesquelles vous êtes censé jouer. Mais il existe aussi d'autres choses. Des obstacles tels que le bunker, qu'on peut avoir proche du green ou à hauteur de fairway. Le rough, qui encadre le fairway, une herbe un petit peu plus haute. Des obstacles d'eau, des mares, des ruisseaux, un peu tout, des étangs, des arbres, des buissons. Et enfin, des hors-limites, des zones dans lesquelles on n'est plus vraiment sur le terrain. Donc je récapitule, les zones sur lesquelles vous devez jouer, ce sont du départ vers le fairway, du fairway vers le green. Vous pouvez rencontrer les obstacles tels que les obstacles d'eau, les bunkers, le hors-limite et les arbres. J'espère que vous avez compris comment était composé un trou. Maintenant, à vous de jouer. Bonne partie. Alors, prêt à affronter le parcours ?